J'enclenche la vision de notre commun. Efficace. Beau tir. Je rejoins le Pax. Je m'approche du Pax. Compris, porteur relayé. Ok, Castiller, on a le ménage. Je l'ai dit. Beau travail.
Je les tire. Je mets les lunettes de vision nocturne. Imaginez ça lorsqu'elle a débarqué. Gardez un œil sur le bétail des parias. Si vous voyez quelqu'un de malade, aidez-le. Et prenez les mesures d'hygiène. J'ai besoin de toutes les infos que vous pourrez me donner sur les drones Azrael. Je ne sais pas grand-chose, malheureusement. Les Wolves vont faire quoi avec ? J'ai travaillé avec deux chercheurs qui avaient développé le premier prototype. Les docteurs Starr et Romero. Si vous allez les voir, ils pourront peut-être vous renseigner. Attention quand même, ils sont parfois un peu étranges. D'accord, mais où est-ce que je peux les trouver ? Aux dernières nouvelles, ils bossaient dans la province de Channels, au port, je crois. Commencez par là. C'est dans le fjord, un peu au sud-ouest de l'archipel de Roa. Compris, merci. Bon, explique-moi le programme Titan. Ça doit être une cible, non ? Bah, c'est un projet secret de Skell sur Golem Island. Qu'est-ce qu'il vous fout de plus ? Et là-bas, vous savez ce qu'ils font ? Pourquoi c'est une menace prioritaire ? Aucune idée. Le Jay Skell que je connais aurait considéré un robot tueur indigne de lui. C'est un génie, certes, mais si je suis venu travailler pour lui, c'est parce qu'il était en train de révolutionner la technologie. Et puis quand le projet Omega a pris l'ampleur, les priorités ont changé. Et lui aussi. D'accord, mais qu'est-ce qui lui faisait peur au point de construire des super-robots ? Il y a une ville qui a besoin de protection contre des dinosaures mutants, cracheurs de feu, un truc comme ça ?
Je me pose la même question tous les jours depuis que je suis partie. À mon avis, et tout ça n'est que pure spéculation de ma part, le projet a dû tomber entre les mains de Walker. Peut-être que lui et les Wolves ont repris les commandes. Quoi qu'il en soit, je peux pas vraiment vous dire comment combattre ce qu'ils fabriquent. Cela dit, si les robots sont bien ceux de Sky, ils pourraient devenir l'arme la plus dévastatrice que le monde ait connue. Donc oui, je dirais que c'est une menace prioritaire. Non, pas depuis une semaine. Salut, vous avez rien à craindre. Je vous ai entendu en passant. C'est quoi le problème? On sait pas trop. Notre ami Samuel a disparu. Un autonome? Un ancien autonome. Jusqu'au jour où il a décidé qu'il préférait vivre seul. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Il aime attraper sa propre nourriture. Il dit que ça le rapproche de la nature. Un truc dans le genre. Il donne les fourrures et ce qu'il reste de viande au camp, sans rien demander en échange. Où est le problème? Il a l'air de savoir se débrouiller. La semaine dernière, il est passé. Il était furieux. Il a dit qu'il avait croisé des soldats de sentinelles sur ses terres. Apparemment, ils avaient emporté deux cerfs qu'il avait pris et ils auraient détruit ses pièges. Ensuite, cette semaine, rien. Samuel a toujours été colérique, mais ici, par les temps qui courent, un mot trop à la mauvaise personne... Enfin, vous voyez... Ouais. Matt, Fox a chopé des vidéos de surveillance interne de Skelltech. Qui lui envoie ces vidéos? Il est resté évasif. Mais on y voyait Treystone et ses capitaines. Il leur a ordonné de s'en prendre aux autonomes. Avec toi, c'est toujours des bonnes nouvelles. Je sais pas pourquoi Stone et compagnie nous en voudraient. Bon, tu te rappelles? Je t'avais demandé de nous aider. Je suis sérieux. Passe dès que tu peux. Il y aura toujours de quoi faire. Je roule pas sur l'or, mais je pourrais te filer un peu de matos en échange. Ok, c'est noté. N'ayez pas peur. On sait pas trop. Notre ami Samuel a disparu. Un autonome? Un ancien autonome. Jusqu'au jour où il a décidé qu'il préférait vivre seul. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Il aime attraper sa propre nourriture. Il dit que ça le rapproche de la nature. Un truc dans le genre. Il donne les fourrures et ce qu'il reste de viande au camp, sans rien demander en échange. Où est le problème? Il a l'air de savoir se débrouiller. La semaine dernière, il est passé. Il était furieux. Il a dit qu'il avait croisé des soldats de sentinelles sur ses terres. Apparemment, ils avaient emporté deux cerfs qu'il avait pris et ils auraient détruit ses pièges. Ensuite, cette semaine, rien. Samuel a toujours été colérique, mais ici, par les temps qui courent, un mot trop à la mauvaise personne... Enfin, vous voyez. Ouais, je vois. Et où est-ce qu'il chasse d'habitude, notre bon copain Samuel? D'habitude, il est au sud-est de Garden Mangrove, dans le nord-est de Gaer Arm. Je vais voir si je le retrouve. Merci. Merci, vraiment.
Je manœuvre en position. Je me mets en position. Prends ton signal, Ghost Leader. J'ai aligné la cible, chef. Ok, je m'approche de la cible. J'avance. Diverge, quand tu veux. On les a eu. Ils sont à terre. Beau tir. Bravo. Proche de la cible. Pareil. On est au calme. Efficace.